Comment je ressors? Rien. Je ressors comme un perdant. Non, là, dans l'état d'esprit, je suis très content de ce que l'équipe a produit. Là, on était diminué, on savait qu'on était diminué dans le domaine offensif et on a mis un système en place avec le losange et des joueurs de couloir. Mais on aurait pu mieux utiliser le ballon, mais dans l'état d'esprit, j'ai rien à reprocher à mon équipe. Après, on a joué une belle équipe aussi de Rennes qui a des bons joueurs, qui a un bel effectif. Et s'ils sont en Ligue des Champions aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ça a été difficile d'exister quand même pendant. Jusqu'au premier but, ils ont pas grand chose. Hein. Ils n'ont pas grand chose. Même s'ils avaient le ballon par moment. Mais ils ne nous ont pas mis en grosse difficulté. Après, oui, quand on a pris le premier but, à la fin de première mi-temps, psychologiquement, ça a flanché un petit peu. Ils ont eu 2-3 situations nettes. Ouais. Jonas a fait de beaux arrêts. Et ils ont eu un poteau. Ouais. Après, en deuxième mi-temps, on n'a pas lâché. On a eu la balle d'égalisation avec, pareil, la transversale, je crois, ou le poteau aussi. C'était un match difficile. Quand tu joues en plus à 10 pendant un petit moment, je trouve que c'est sévère. L'expulsion, elle est sévère. Le pied, peut-être qu'il est haut, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de violence de la part de Flo. C'est plus maladroit que méchant. Et puis, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de saignement, il n'y a rien, quoi. Il n'est pas ouvert. Mais bon, c'est comme ça. On a décidé, arbitre. Mais c'est la moindre des choses quand tu es footballeur, quand tu es une équipe, c'est la moindre des choses, c'est un état d'esprit. C'est ce qu'on leur avait dit avant le match. Hein. C'est ce que je leur avais dit plutôt. C'est de se battre pour l'équipe. La première des choses, c'est de mettre ses qualités au service de l'équipe. Et quand on n'a pas le ballon, bien sûr, de se sacrifier pour l'équipe. Le football de haut niveau. Quand tu regardes la finale de la Ligue des Champions, quand tu regardes le Bayern, les mecs, ils n'ont pas le ballon, ils travaillent, ils bossent. Tout le monde bosse pour récupérer le ballon. Michel, vous le voyez à l'entraînement, évidemment, Jonas Samlin, mais on l'a découvert, le grand public l'a découvert. Sans lui, ce soir, l'addition était beaucoup plus salée. Il a fait un grand match. Ouais, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a bien fait. Ouais, il a eu des frappes de loin, il a eu, je te dis, les deux gros arrêts à faire en fin de première mi-temps. Il les a bien exécutés. Ouais. C'est une des satisfactions, je veux dire, c'est rassurant de l'avoir. Oui, mais c'est important d'avoir un bon gardien, ça c'est une évidence. Ouais. Sur le but de Caramida, c'est le talent, on peut mieux défendre aussi. Je pense qu'on peut mieux défendre aussi. Parce qu'il prend. Même si on était en infériorité pendant cette séquence encore. Et je pense que quand il s'appuie et qu'il demande, on doit, au milieu de terrain, il doit mieux le contrôler. Il fait un grand 1-2, tu ne regardes pas le ballon, tu dois contrôler la course. Et on ne l'a pas contrôlé. Après, bien sûr, individuellement, on sait qu'il est capable d'éliminer. Et de frapper. Il avait déjà mis comme ça l'an dernier. Là, c'est la qualité des grands joueurs d'être efficace. Michel, est-ce que il y a le 8 mars dernier, quand vous repartez de là, tout le monde on avait pris la fessée, oui. Là, pour le coup, même si on voit une belle équipe rennaise, est-ce que ça laisse des regrets? Évidemment, de ne pas avoir. Mais le regret, c'est d'avoir beaucoup de monde à la maison déjà. On n'avait pas de. Gaëtan était tout seul devant. J'avais pas d'autres munitions pour pouvoir jouer avec des joueurs offensifs supplémentaires. Ton regard justement sur le match de Gaëtan Mais les joueurs qui étaient là, ils ont répondu présent à ce que je leur avais demandé. Ça, c'est.
Ça, c'est une bonne réponse de leur part. Est-ce que Gaëtan qui va se faire opérer, est-ce que vous confirmez que Gaëtan va se faire opérer, est-ce que ça va l'éloigner à quelque temps ou pas? Non, 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 ça changera rien parce qu'on a, il aura 10 jours derrière. Moi, j'en ai eu plein de fractures du nez. Après, tu joues avec le masque, comme il a joué avec le masque aujourd'hui. Hein. Quand la fracture va être remise en place, ouais, il va. Bien sûr que tu as toujours l'appréhension de reprendre un pet dessus, mais avec les protections qu'il y a aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a mis une belle tête quand même pour marquer.